Quand elle me dit que tu sais, elle est en garde à vue parce qu'elle a vendu de la drogue à la sortie du collège. Oh. Putain, oh là là. Ah, tu vas pas dormir cette nuit, hein? Ah non, je vais pas dormir, ça c'est sûr, je vais pas dormir, hein. Pourquoi toi tu t'es fait belle et moi je suis pas belle, je suis en pyjama, mais vu que j'avais pas envie de. J'étais pas coiffée en dessous, j'ai mis le béret. C'est pyjama et béret, ça va bien ensemble, non? Génial. Bon, c'est parti. Attends, je renifle parce que je suis malade. Commence pas à renifler tout le long. Quelle est dégueulasse, ça va me faire belle celle-là. Aïe, tu m'as éclaté le nibar. J'espère qu'on va pas être trop comme la dernière fois, parce que merci. Salut, salut! Alors aujourd'hui, on revient pour faire un petit prank. Donc, on a décidé de pranker Mamie et peut-être Jennifer et Cindy et on va voir. Déjà, je vais pranker toute la famille. Déjà, Mamie, ça sera pas mal. Ouais, déjà, Mamie, ça sera pas mal. On va essayer de pranker ma grand-mère, ma mère. Et je vais l'appeler en plus, il est déjà 10h. J'espère qu'elle dort pas. Tu m'étales? Oui, tu t'étales, t'es carrément assise sur moi. Et en fait, je vais lui faire croire que Tyssen a été arrêté devant la fac en train de dealer. Comment je vais sortir ça? Tu t'es fait arrêter devant la fac en train de dealer parce que t'avais une copine qui dealait. Et en fait. Qui dealait? Ben c'est ça, si tu dis Tyssen est deal. Ah, mamie, ça fait trop débile. Non, mais je vais pas dire ça. Mais je veux dire, Tyssen a vanté de la drogue parce qu'elle est trop large. Je vais te bloquer parce que tu dis le mot drogue. Tu crois? Je sais pas. Mais non, quand t'as pas le droit de parler. Bon, non, je pense pas. Mais c'est juste un prank. Pourquoi tu veux qu'ils me bloquent? Oui, mais dès qu'ils entendent des mots bizarres aussi. Là... Putain, mais regarde, il y a quelques gens, on dirait que je suis toute fade. Bon, allez. Mamie, elle va dormir. J'ai la grippe. On s'en fout. En plus, elle m'a envoyé un SMS, je lui ai pas répondu. Non, tu parles pas. Je lui dis que t'es en garde à vue, qu'il te garde 24 heures. Et. Comment je vais faire ça? Faut pas que je rigole. Non, je rigolerai pas, moi, je sais que je rigolerai pas. Oui. Oui, ma chérie. C'est moi. Ah, j'ai peur à 10h de ça, tu m'as demandé qui c'était, oui. Oui, mais tu peux avoir peur. Pourquoi, monsieur? Je te dis un truc. Attends, vas-y, ne me dis pas les trucs graves, hein. Tyssen, elle est en garde à vue. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a vendu de la drogue devant la fac. Non, t'es connerie. Ah non, arrête de tes conneries, Tyssen, ça, c'est pas possible. Mais je te jure que c'est vrai. Elle a voulu se faire de l'argent de poche, la mongole. Arrête, je veux pas. Ben oui, elle est en garde à vue là. Non, je te connais. Je te dis pas, le Momo il est fou, il veut la tuer. Mais n'importe quoi. Eh madame, elle avait pas assez d'argent pour finir le mois, alors du coup, elle a trouvé une copine qui vendait, qui se faisait de l'argent, elle a voulu faire pareil. Non, putain, mais n'importe quoi quoi. Alors je crois qu'elle va aller en prison. Non, attends, avec tout ce que vous faites pour elle, ne dis pas que. Non, mais attends, n'importe quoi. Attends, c'est Jessica, elle me dit que Tyssen, elle est en garde à vue parce qu'elle a vendu de la drogue à la sortie du collège. Du collège. Ben non, mais pour se faire de l'argent de poche. Elle me dit, c'est pas possible, elle me dit ça. Mais si, je te jure, c'est vrai. Elle me dit, c'est toujours vrai, elle me dit, Jessica, elle me dit, elle a garde à vue, elle dit, putain, on est censé ses études et tout là, attends, pour que n'importe quoi, comment? Putain. Mais je sais pas. Là, je rentre que maintenant de la gendarmerie. Ils m'ont pas laissé lui parler ni rien. N'importe quoi. Attends, oui, mais elle est majeure maintenant. Mais oui, elle est majeure, oui. Ils m'ont dit fou, maman. Oh là là. Ils m'ont dit qu'elle risquait la prison et tout. Hein. Elle risquait la prison et tout, mais n'importe quoi, comme maintenant qu'il est en train de faire ses études de psychologue et tout, mais c'est quoi ces conneries là? Oh là là, putain. N'importe quoi, qu'est-ce qu'elle est allée s'enganguer où là, cette gamine quoi? Non, je sais pas, mais je crois qu'elle a... elle aussi, là, les fréquentations, merci quoi. Mais attends, après c'était pour ça qu'elle t'a un peu mal parlé la dernière fois, mais bon, maman, papa, elle en a besoin quand même, faut arrêter les conneries quoi. Je sais pas. Je sais même pas quoi, je sais même pas quoi faire là. Elle a vendu ça où là? Elle a sorti du. De la fac. De la fac. Ouais. Mais qui c'est qui a passé ça? Mais une copine elle, puisqu'elle le faisait. Oh là là, c'est con. Mais surtout celle-là là.
qui a donné ça pour me vendre. Je la connais même pas, j'ai jamais vu. Attends, mais Ticelle, elle sait pas tout ça bien. Ticelle, elle sait pas d'où aller, ce gamin, là. Mais elle est de Toulouse, sans doute, j'en sais rien, moi. Oh, non, mais elle n'est pas de son école, de sa part, hein. Mais si, elle a rencontré cette année. Oh, non, mais attends, putain de merde. Oh, putain. Attends, après, là, je sais pas, c'est la drogue dure. Ah, bah oui. Hein. Oh là là, mais putain, Ticelle, putain, t'as déconné, quoi. Elle n'a pas pensé à ça, que c'est les conneries, ça. Ah, je comprends pas. Elle manque de rien, cette gamine, putain, t'as déconné. Je comprends plus, là, voilà. Ah, ouais, mais moi, je comprends pas non plus, parce que franchement, elle manque de rien, tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'elle a besoin d'argent? Elle fait ses vidéos, machin, truc chouette. Qu'est-ce qu'elle a besoin d'arriver dans la drogue dure à la sortie de la fac, sans déconner, quoi. Non, mais sans déconner, quoi. Mmh. Putain, oh là là. Ah, tu vas pas dormir cette nuit, hein. Ah non, je vais pas dormir. Ça, c'est sûr, je vais pas dormir, hein. Putain, ah, et l'autre avait la grognotte, là, de verre, là. On a la pauvre voisine aussi qui est déprimée, là, qui est venue nous voir. Et voilà, on essaie un peu de l'aider un petit peu moralement. Oh ben, je crois que maintenant c'est elle qui va t'aider moralement, je crois. Ah ouais, mais ça c'est sûr, hein, putain. Elle est où, elle est garde à vue encore? Ben oui, elle en a pour 24 heures à 72 heures. Putain, la pauvre, ma chérie, quoi. Et là, t'as pas le droit de prendre un avocat, Néline? Ben si, hein. Si, t'as le droit d'un avocat, comment dire, pas d'avocat. Non, non, je veux pas prendre un avocat d'office, je veux prendre un bon avocat. Hein. Un avocat, l'aide judiciaire a mis à droit. Ouais. Oh putain, oh là là, putain, mais qu'est-ce qu'elle est allée. Oh, putain, je trouve quand même bizarre parce que quand même, Ticelle, elle a quand même la tête sur les épaules. Ben oui, c'est pour ça. Et moi, je trouve quand même bizarre que la gamine, elle s'est fait engainer dans des conneries comme ça. Enfin, je sais pas, enfin, moi, c'est dans ma tête ça. Moi, je me dis, c'est... Alors, faut vraiment que... Ah, attends, c'est pas une histoire d'argent, l'argent, voilà. Je sais pas. Je sais pas, je vais te laisser. Ah, putain, bon, je vais te laisser et en fait, je t'ai piégé, tu passes dans ma vidéo. Ah, mais c'est sûr, hein. Ah, ma fille, attends, bon, après, tu vois, comme tu dis,
Après, ça aurait pu arriver parce que là, des gamines qui sont droites et qui sont vraiment mal, hein. Ouais. Mais bon, au niveau du système, je me suis dit, attends, avec la psychologie, elle est droite sur sa tête, elle ne demande rien. Oui. Maïtérie, je t'aime. Moi aussi. Et pas si dit comme tu t'es Maïtérie, hein. Les choses se tournent pas mal, hein. Mais non. Voilà. Et surtout pas ça. T'as comme un chéri, hein. Mais oui. Ta grand-mère, alors elle dit que tu t'en t'as pas encore. Voilà, Maïtérie, je t'aime très fort. Moi aussi. Allez, bisous, Jessica. Ouais, ouais. Bisous. Ouais, bon, bon, allez. Bisous. Bisous, je vous aime très fort. Bisous. Ciao. Oh, c'est bon. Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, ben du coup, on devait faire un prank pour ma soeur et mon autre soeur, etc. Mais finalement, on a décidé de laisser ce prank-là que celui de ma mère. Et en fait, on fera d'autres vidéos avec d'autres personnes. Ouais. Ça sera mieux comme ça, on aura plus de vidéos. Parce que celui-là était quand même assez marrant. Et du coup, vous resterez concentrés sur cette vidéo-là, sur ma mère. Donc voilà. Ouais. Dites-nous si vous avez des idées de prank, dites-nous aussi. Ouais, mais des pranks. Ouais, mais bon. Ouais. Dites-nous sur Snap ou Instagram en DM. Ouais, voilà. Comme ça, personne ne les voit. Vous avez notre Instagram, notre Snap. Mais le truc qui est dommage, c'est que maintenant, quand tu vas vouloir me refaire un truc comme ça, même si c'est la vérité, je crois que tu me prends à chaque fois. C'est impossible. On croit toujours, même quand c'est pas vrai, on croit toujours les menteurs, les trucs comme ça. Les menteurs, et surtout toi que t'es une grosse mytho. Ouais, c'est vrai en plus. Oh mon Dieu, mais tu sais que c'est ignoble. J'ai une gueule. Ah, je vais te dire autre chose. Je suis trop moche, quoi. Ouais. Mais du coup, on va se laisser là. Et voilà, dites-nous ce que vous en avez pensé. Il se pète dessus. Il se cache, mais il pète. Donc, il se cache, mais on sait qu'il est là. Dites-nous ce que... J'ai pas mis... C'est bon, tu peux... J'ai un produit qu'il a. Yeti, le gosse. Allez, on se laisse là. Ouais. On vous fait des gros bisous. Des TikTok. Ah non, je suis moche. Ouais, on fait des TikTok. On fait des bisous. Et on vous dit à très bientôt. Bye bye. Aïe! Casser le lit! Casser de lit en direct! Je te fais mal, hein!